Au Cameroun d'abord. Au Cameroun d'abord. Général, le Cameroun d'abord. Le Cameroun d'abord. Le Cameroun d'abord. Est-ce que la main au pied dans la place des enfants? Est-ce que ma main est dans la place des enfants? Mais il ne peut plus fort, même si parfois on dit que le peuple est mort. Le peuple est souverain, il n'a jamais tort. Il a la force du nord, il peut être connaissant. On n'a pas peur de la mort, même si t'es pas la peine d'esprit à l'enfant. Ils disent de toi que c'est toi l'ambiance. C'est de Dieu l'ambiance. Dans la répression, visage de la mort, le peuple est mort. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les icônes de la musique camerounaise, Toto Guillaume qui vivait en France, Guy Lobet qui vivait en France, Ben Deka, Alexandre Douleur Douala, etc. n'avaient pas fait, malheureusement, les salles qu'ils méritaient. Parce que le Makossa méritait de faire le Zénith Bercy dans ce pays. Mais Bertrand Torpedo est venu apporter la preuve que la virtuosité camerounaise avait toute sa place. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Si Valsero a réussi ce pari extraordinaire et fou, c'est parce qu'il y avait un terreau, un embryon qui avait été préparé par ce que Bertrand Torpedo a fait. Je suis Bertrand de la société Torpedo Productions. J'ai donc averti tout le monde que de ma décision d'arrêter de produire et d'organiser des concerts et des tournées pour les artistes camerounais. J'ai pu constater que travailler avec les artistes camerounais et travailler pour le peuple camerounais à Paris était plus compliqué que ce que je ne le pensais. Je me suis un petit peu lassé et j'ai décidé d'arrêter donc d'organiser les concerts avec les artistes camerounais. T'es un soldat, la douleur dans ton cul, à force de prendre des coups, tu ne pleures plus, maintenant tu rugis. Moi je connais personnellement Bertrand Torpedo, on a eu à discuter et la vision qu'il avait c'était plus la vision d'un guerrier qui était prêt à vraiment prendre des risques. Mais je suis à la fois étonné qu'au bout de 3 ans, il décide comme ça de dire ouais je claque les portes et en plus il claque pas les portes doucement, frère. En fait, je l'avais dit pour des raisons, si tu veux, très précises. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui me déplaisaient et puis ça marchait pas. Et peut-être moi, je fais des concerts. Les Camerounais sont des gens qui aiment les soirées. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Et là, en fait, je travaille avec un Camerounais qui a été mis en prison pour des motifs que j'estime anormaux. C'est-à-dire qu'il a été mis en prison pour sa parole, ses convictions. Et donc forcément, c'est quelque chose qui me touche à cœur. Ils ont peur, frère, la peur a changé de bras. Aujourd'hui, c'est la meute qui fait la pluie et le beau temps. Je voulais pas rentrer dans le système qui existait déjà camerounais parce qu'il me correspondait pas. Je me suis donc retrouvé avec Valsero qui veut changer les choses au Cameroun, au niveau militant, politique, artistique. Et c'est une aubaine pour moi parce que grâce à lui, je peux aussi faire un vrai concert avec quelqu'un et montrer au peuple camerounais que les concerts peuvent aussi fonctionner. On fait chacun nos trucs, moi je fais le concert, je suis producteur avec la société Torpedo et Overlook. Valsero, bah, il fait son boulot de chanteur. Levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux, les enfants qu'on assure la défense et la guerre. Quand Valsero parle d'amour, je me sens touché personnellement. Et je dis à Valsero que nous sommes là. Et aujourd'hui, je vois des personnes camerounaises, tous ensemble, autour de Valsero, y compris ceux qui ne voulaient pas être sur la photo hier avec nous, quand il a passé 9 mois au trou. Donc je pense que s'il a ce message d'amour, c'est sa grandeur qui s'exprime. Parce que Valsero aurait pu être quelqu'un d'aigri, d'amer, de vindicatif, mais il ne l'est pas. Excuse-moi, président, mais il faut que je te parle. À ton nom et partout sur notre personne. Et dis des femmes ta politique pareil qui suivent ton programme. Et toi qui décides de nous exclure de la carte. Je veux savoir, président, pourquoi pour nous ça marche pas. I don't really know who I am, who I am. Who I am, who I am. I don't really know. Thank you.
I don't really know who I am, who I am. La loge du boss. Ouais, je veux bien le milieu. On va mettre comme les carcoscopes, ça, ça, oui. Après, on fait en bas pour Overlook et DJM7. Il nous reste Claudia Sparkling, Overlook. Voilà, fini, c'est bon. Ça, je vais mettre cette table-là. Ouais. Mettez-la comme ça. Ils arrivent, hein. Vous leur donnez, ils partent. Ah, donc vous prenez cette table qui est là-bas, par exemple, et vous fermez. Vous pouvez vous laisser juste un petit passage pour vous. Donc il reste deux loges. La 8, c'est celle qu'on a condamnée. Parce qu'il y a un nouveau plan. Non, c'est pas le bon plan. Et on les met dans la 8 ? Ouais. Et une loge Overlook. Que Romain, il semble bien. C'est pas le même Overlook qui finance le concert. J'ai pas ou j'ai pas pas ? J'ai pas mis tout ça. J'ai pas déjà amené ? Ça se mange sympa. Il n'a pas maigri, mais il a rajeuni. Le visage, là, c'est comme un enfant. Il va bien manger, hein. J'ai... C'est pas. C'est une question de survie. On vient croiser le fer. Ça fait deux jours, tu vois, je fume moins, c'est-à-dire une clope par jour. Ça fait deux jours qu'il a arrêté de fumer. Donc ceux qui disent qu'il fume le banga, ça fait deux jours. Ça fait deux jours qu'il a arrêté de fumer. Deux jours. Donc s'il vous plaît, réactualisez vos informations. Hein. Dites qu'avant, mais depuis deux jours, putain les gars, vous allez tous mourir avant moi. Bon, allons sur la scène. Yeah. I got my... T'as vu, frère? T'as vu? Ça, c'est moi, ça. Non, c'est top comme ça. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Ils ont mis des, ils ont mis des poids en bas, c'est ça? Ils ont mis des tringles en bas pour que ça reste droit. Ah. Bravo, Torpedo. Bravo. Ouais. Cette belle image. Bravo, patron. Non. Bravo, mon patron. Bon, ta caméra, je te jure, ta caméra, elle me gêne. C'est lui, mon patron, c'est lui, mon boss, là. Mais on lui dit que la caméra gêne, mais en fait, il s'en fout. Who I am. Non, ça a pas marché, ça. Backdrop, il est plus puissant que le backdrop de Wu-Tang. Cousin, t'as vu ça? C'est pas qu'il est plus puissant que le back de Wu-Tang, mon frère. Parce que par rapport aux femmes. Oh oh. Parce que ils ont un pied, donc ils ont ici. Voilà que dit, il va finir la cuisine après voir les. C'est la fin du monde. Je me rappelle quand j'étais au Cameroun, j'organisais mon propre concert. Ouais. Je terminais de coller les affiches, voilà. Ranger les chaînes. Parfois, j'oubliais de changer la pile que j'ai portée toute la journée. Je montais sur scène direct. Yeah, bro. Yo, bro, ça va? Mm-hmm. C'était quoi le deal? Ouais, ouais. Tu voulais quelque chose? Ben, j'ai appelé la poêle Sadina. Il veut venir. Il est où le... Oui, oui. Il n'aime que le job. Hein? Il n'aime que le job. Ça représente pour moi un moment magique. Parce que c'est une histoire qui va s'écrire dans quelques heures. C'est toute une communauté, c'est toute la culture africaine, camerounaise en particulier, qui est mise à l'avant. Et c'est un artiste qui donne le chemin à d'autres artistes. Et je pense que c'est quelque chose de mémorable en fait. Pour être dans les coulisses, c'est déjà juste magnifique. Et bienvenue. Merci. Ouais. Ça va être le feu là tout à l'heure. Yes. Allez, l'histoire en marche. On va voir la salle. Yes. L'histoire en marche. L'histoire en marche. On y va. D'accord. Le bac 1, bac 1. On l'a fait. Maman, on l'a fait. Bac 2, bac 2, bac 2. Bac 2. On est à côté. Okay. Si on est au Zénith. On est au Zénith. Attends, tu fais une petite vidéo là. C'est aussi grâce à ces gens-là. Depuis le début, ils sont là. Depuis le début. Sachez qu'on a commencé à nous amuser déjà avant le spectacle. On est tous contents d'être présents. C'est le Cameroun qui est mis en avant. C'est l'Afrique. Ici à Paris.
au Zénith. La seule et unique baronne de Suisse. Nous sommes au Zénith. Le lead, Bertrand Torpedo. La seule et unique baronne de Suisse. C'est une concrétisation, c'est un rêve. Merci à Torpedo, merci au général Versero, merci à tous ceux qui, toute cette grande équipe qui a travaillé back pour que cet événement ait lieu aujourd'hui. Versero de la prison au Zénith, il faut le faire. Merci à Torpedo de nous faire rêver. Merci au général Valsero d'avoir gravi tous ces échelons. Un artiste engagé. Les gens ont dit qu'il n'est rien, mais il a rempli le Zénith et puis ça chauffe pas. Vraiment, c'est de ça qu'il s'agit. Ça représente beaucoup dans la lumière du groupe Séminaire. Donc pour moi, le Zénith, c'est l'une des plus grandes choses. Pour moi, être au Zénith aujourd'hui, c'est un soutien. Déjà soutenir le grand frère Valsero, parce que ça fait depuis des années que nous sommes là, on tourne et on roule la bosse. Et là, aujourd'hui, on vient faire croire à la jeunesse camerounaise que non, on peut quitter les crébats et arriver créo. Mais dès qu'on a fait la simulation même, c'était tellement fort que la salle bougeait. Les gens étaient tellement contents, ils applaudissaient, ils sautaient. C'était sûr que c'était ça. La première fois, elle était comme ça. Putain, j'ai pitié pour eux, les gars.
On va les cramer. Non, on va les cramer, frère. On va totalement les cramer. C'est je des tueurs. C'est le si on t'a confirmé que ça va être Willy et séminaire. Non, il m'a pas confirmé. Il m'a dit qu'il va voir pour séminaire et il devait en parler avec. Double fait. On perce une fois la plaie, on ne doit plus aller. Tout le monde peut se dire. Parce qu'il fallait que la foule se lève et puis on fait un peu. Il est capable de pleurer pour un oui ou pour un non. C'est-à-dire, lui, tu appuies le bouton, pang, il pleure. Hey, Willy pleure. Il faut pas appuyer maintenant. Là, non, t'appuies là. Hey, Willy pleure parce qu'il descend, il pleure. C'est celle qui va. Pour moi d'abord c'est un privilège, c'est tout un honneur de que ce n'était pas mon frère, de venir le soutenir dans ton concert, c'est tout à fait normal, et on mène tous le même combat. Mais pour une fois, quelqu'un pense en toi, ça veut dire qu'il a la main sur le cœur, tu vois, c'est un grand monsieur et puis je devais être là pour que ça soit plus grand et de faire partie de son histoire parce que ça c'est l'histoire qu'on va écrire ici aujourd'hui. Parce que Caresse, elle va finalement faire avec. Oui, avec Valsero. Un téléphone, c'est chargé. Je regarde si c'est chargé, parce que je vais pencher. Oui, enlevez-vous, vous pouvez aller pour travailler. J'ai dit que les longs, j'en ai ma claque. Tu vois, juste au moment où on passe, là où les débits a trouvé le moyen de faire une interview. It should be automatic. That's when we take a break together. At the same spot. Mm-hmm. At the moment we want to leave, unless we are sitting down, we sleep. Après, quand on bouge et quand on continue le speech, on fait ça de façon automatique comme un ciseau. Encore, chacun d'un peu. Oui, quand on sait qu'on part, on se met. Me and you, we like to make money. When I get money, I like to chop money. I keep the beat when I control the song. Il y a deux entrées VIP. Je crois qu'il y a eu parce que. Non, la voiture, je me vais ici. Tu as vu comment elle est sapée. Ben, je vais dire tout simplement l'espoir. C'est énorme. L'espoir parce que quand on dit qu'on peut, on le fait. Voilà, nous sommes le Cameroun aux aînés de Paris aujourd'hui. Là. Et quand Valsero y a cru, certains ont douté. Nous avons accompagné. Aujourd'hui, ils sont satisfaits. Et l'espoir aussi, pourquoi? Parce que c'est un concept pour la liberté. On va venir crier notre rage de liberté, notre soif de liberté. Voilà ce que ça représente pour moi ce soir. Quoi, Henri? Demain, tu fais quoi? Tu manges à la maison? Oui, oui. On a loupé les vols d'hier. Voici Belly B. Bienvenue. L'ingénieur du son. L'ingénieur du son. Amen. Ça, c'est Belly B. C'est ça. Je suis là. Il est là. Je suis dans la place. Au zénith de Paris. Ça va se faire. C'est pas du jeu. Bienvenue, mon frère. Merci. You made it. You made it. You made it. Yes, yes, yes. Wow. Je suis là. Amazing. Je suis là. Wow. I'm going to see you. Le plaisir est partagé. Bon. Ryan, gère-moi ces deux amis là. Ouais. Tu les mets dans notre loge pour l'instant, on verra après si leur donne ce qu'ils veulent. J'ai une doléance. Tu imagines que les fois avant toi là, c'est pas comme ça. Après, parce que ça fait un moment que vous les gâtiez, ça va aller. Non, il a les plans, il a les plans.
Le problème c'est qu'il était déjà là. Non, j'entends rien. Est-ce que vous êtes chaud? Yeah. Écrire l'histoire ensemble, au travers de cet événement extraordinaire, comme la performance de Roger Milla au Mondial 90. Alors, je vais partager un micro aujourd'hui avec une dame de fer. Une dame à la carrière immense comme le bruit. From Bamenda, Boya, Douala, Yaoundé, Betouaga, Rwanga, Oudere, here we are at the Zenith. Yes. The time has come for us to celebrate. Je peux vous dire que chaque média a contribué à sa façon et selon sa ligne éditoriale à faire la promo de ce spectacle. La personne qui est avec moi ce soir, peut-être que vous ne le connaissez pas, il s'appelle Anissé Nameni et il nous a accompagné sur sa première scène. C'est sa première grande scène, un baptême de feu au Zénith. Yeah. On commence par le sommet. Anissé est le fondateur de Beamstar. Beamstar, pour vous qui êtes sur Internet, all of your social media addicts, you should surely know about him. Il a accompagné cet événement parce qu'il accompagne les artistes depuis déjà plus de 7 ans à mettre en lumière la culture camerounaise, la musique urbaine, le hip-hop, le R&B. Et c'est grâce à cette musique qui a été discriminée pendant longtemps que nous avons atteint le zénith. Tout ce que j'ai ressenti de plus profond, c'est de l'amour. L'amour que le public a pour l'artiste qui nous a permis d'être là. L'amour que les Camerounais ont entre eux. C'était une belle soirée artistique, mais surtout une belle soirée de partage d'amour, sincèrement. Pour moi, tout était tip-top, c'était très bien fait et franchement, on dira qu'on a écrit l'histoire. Hey, ici devant là, voilà, téléphone, là, au milieu, là, au milieu, là, vite, le chabat, les briquets sont allumés, je vous vois, avec mes bandits, mes grosses dalles, on les casse à tous mes gars, les sais. Trop gâteau, pour l'ambiance est nice. Le DJ fait monter les voilà, bien c'est si. Les gros sont sapés, tu n'es bling bling. Et mouille le pari, arrivé jusqu'au fin. À 4 heures, c'est pas fini, j'ai la vie de ma crise. Je viens prendre le plan d'assaut.
Merci à vous les gars. Merci de nous avoir mis bien. Là, on va introduire le dernier artiste de cette première partie, c'est l'artiste 117. C'est l'artiste qui va accompagner le général Valsero tout au long de cette soirée. Mais avant, il va nous proposer une de ses chansons. Vous savez, les concerts, c'est aussi pour découvrir. Et donc là, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, on va découvrir l'artiste 117. Moi, j'ai pressé, je viens pour ma cuisine. Mon démon, je vais coloniser. J'ai dépassé la force d'adversité, la concurrence de l'eau, on va désaccuser. Les gars, chasse. La chasse, on doit la vienne à tous ceux qui n'ont pas. Les gars, la vraie force, c'est des tiens, quand on soit la timette. Les gars, la souffrance c'est chez nous le roi, on n'a pas l'air d'être chez Waka. J'ai pas l'air, laissez passer là, plus ça tout le monde. Laissez passer là, ma chasse, dans ma bouche des putains. Laissez passer là, puissance, laissez péter. Laissez passer là, ma chasse, dans ma bouche des putains. Tout le monde. Mon général, j'ai interviewé une dame à la fin de ce spectacle qui a beaucoup ému Bertrand. Une dame qui vient en Belgique, qui s'est définie comme étant biaïste, qui a fort apprécié ton discours ce jour-là, ton discours d'amour. Pourtant, d'autres discours émanant du Cameroun disent que tu veux déstabiliser le Cameroun avec ce concert. C'est une ambivalence qui laisse quand même pantois. Que réponds-tu à ceux-là qui, malgré ton discours de rapprochement d'amour, veulent toujours te coller l'étiquette de celui qui veut déstabiliser un Cameroun comme si ce pays-là allait bien? Je me rappelle la première fois que je suis allé au Master of the Game de mon poteau à Mente pour faire mon premier album politiquement instable. Je lui ai dit, je suis le mec le plus bankable de la planète. Et quand j'ai croisé Bertrand, et qu'on était en train de marcher en disant on va arriver comment, j'ai dû m'arrêter à un moment où il était en train de me dire frère, je lui ai dit calme-toi, je suis le mec le plus bankable de la planète. Ce qui est important à comprendre, c'est à quoi on a voué nos vies. On juge la grandeur d'un homme par la grandeur de ses combats. C'est un moment historique pour le rap camerounais, pour le hip-hop camerounais. Vous savez, ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu, je suis un passionné et pour moi c'était un moment historique qu'il fallait vivre. J'ai fait des pieds et des mains pour être là aujourd'hui à Paris parce que c'est une page, une grosse page de l'histoire du rap camerounais qui s'écrit avec Valsero aujourd'hui. Parce que faut savoir que j'ai connu le rap camerounais lorsqu'il s'était proscrit des radios où on considérait beaucoup de rappeurs comme étant des voyous. Aujourd'hui, l'un des leaders du mouvement rap camerounais arrive à faire l'une des plus grandes salles européennes en concert, en rassemblant le peuple camerounais. Peu importe ses courants politiques, idéaux, c'est fort.
Donc j'ai la chair de poule de vivre cet instant-là et de faire partie de ceux-là qui pourront raconter à leurs enfants, leurs petits-enfants, l'histoire du rap camerounais avec Balcero au Zénith de Paris. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être là ce soir. Le général! 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 Balcero! Avancez, avancez, avancez! Vous qui êtes en haut, yeah. Avancez, avancez, descendez, 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 descendez. Ça se passe ici, ça se passe, c'est partout, descendez, descendez. Le Cameroun est là ce soir. Est-ce que le Cameroun est là ce soir? Yeah. Ok. Descendez, descendez, descendez. Ça va partir. Ça va partir. Général, général, général. Je voudrais savoir pourquoi Monsieur Valcero, pourquoi lui est au Zénith. Qu'est-ce qui a fait que vous avez le cherché ou je ne sais pas comment ça s'est fait. Vous avez dit ben tiens, il faut qu'on fasse le Zénith. Je travaille dans le showbiz. Le showbiz, c'est quoi? C'est le spectacle. Le spectacle, c'est quoi? C'est donner du bonheur aux gens. C'est des contes de fées, le spectacle. Bon, on fait quoi alors? J'ai dit, bah, on va au Zénith. T'as fumé ou quoi? Bah ouais. Les premiers mois, quand on a lancé ça, à part les fans de Valcero, quelques militants, je pense que tout le monde nous a pris pour des fous. Au Zénith. Il y a quelques années, je suis sorti de prison et j'ai 123 combattants de la liberté qui aujourd'hui sont toujours enfermés dans cette putain de prison. Bordel de merde! Ouvert. Aimez même ceux qui ne vous aiment pas. L'amour, c'est pas fait pour rester dans le cœur. C'est fait pour donner. C'est pour donner. Si vous savez, j'ai eu peur, les gars. À un moment, j'ai eu peur. J'ai dit, putain, est-ce que la meute sera au rendez-vous? Une armée et nous appelle la meute.
On a formé un esprit. On est des talibans. On a construit un empire. Il parle des terroristes. On a créé un parti. Il parle des ministres. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on se prenne dans le silence. Et vous faites pas les fiers et les larmes de votre souffrance. Et si tu meurs, pour que tu le fasses en silence. Sinon l'armée débarque et la bataille. Capitaine souffrance. Ce qui est le plus important pour moi, ce que j'ai vu un débat au Cameroun sur la présence du drapeau amazonien, bleu, blanc et tout. Et j'ai vu beaucoup de gens, évidemment, parce qu'au Cameroun, il y a encore cette tension. Et ces tensions veulent que les gens ont des objectifs de nuire et de nuisance. C'est-à-dire qu'ils veulent vous pousser, par exemple, à justifier, parce qu'en fait, ils ne veulent pas attendre une explication. Ils se sont dit, vous avez fait une erreur, c'est que vous aurez dû arrêter ce drapeau, comme ça on n'aurait eu rien à vous dire. Mais qu'on ne triche pas, ce drapeau il est bel et bien camerounais. Il est temps de lever le cache, nous le debout, tout le monde debout. Il est temps de lever le cache, nous le debout, tout le monde debout. Il est temps de lever le cache, nous le debout. Lui le vengeur avec leurs mensonges et leurs blabla. L'impunité et l'immunité. Tout ce qui part fout notre dignité. Il est venu bientôt. Fini les pleurnicher, il va falloir les faire reculer. C'est la guerre, tu l'as bien compris. Et la lutte pour notre survie. Tout le monde debout. Il est temps qu'on les fait cache, nous les fait fou. Tout le monde debout. Un grand homme, c'est des grands combats. Et les grands combats, c'est généralement des trucs détachés. C'est quand tu penses aux autres, quand tu te mets à la place des autres, quand tu veux pour les autres ce qui est pour toi. Il faut être grand pour avoir ce genre de bagarre. Et pourtant, on a dû rajouter des places, on a dû demander au Zénith d'écarter les murs. Il faut savoir que le Zénith et toutes les salles de Paris avaient une restriction de 70% par rapport à la situation sanitaire. Ils nous ont quand même admis de mettre 200 personnes de plus en disant peut-être des gens ont acheté le billet, ne vont pas venir, etc.
Mais tu n'es pas gentil, toi. Ça va. Il a tout ramené. Il a tout ramené. Force, énergie, puissance et tout, et tout. Valsero a écrit une page de l'histoire avec de l'encre indélébile. Je pense que c'est une page qui s'ouvre également pour la jeunesse. Il a donné espoir que c'est possible de croire en ses rêves, de mener un combat, de rester ferme sur ses positions, de rester constant et de pouvoir avoir cette victoire-là. Vous êtes encore là? Heureusement, hein? J'ai cru à un moment que vous étiez parti. Ça va? Il y a quelques années, avec une chanson qui à un moment on pensait que ce serait la clé. Je vais vous présenter quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amour. Faites du bruit pour mon poteau à Mainté, il est venu du Cameroun, il est arrivé aujourd'hui. Il s'est retrouvé en prison simplement parce qu'il m'a porté ma carte d'identité, les gars. Avoir porté une carte d'identité, la famille. Alors je l'aime de tout mon cœur. Bienvenue, mon brother. Un micro. Et ça n'arrivera plus jamais parce qu'on va régler le problème. Le Cameroun d'abord. Le Cameroun d'abord. Général, le Cameroun d'abord. Il est venu de Miami parce qu'il vous aime, la famille. Super, super, you know? C'est important de venir de temps en temps accompagner aussi les compatriotes qui font des choses. Valsero, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, et non seulement pour son engagement, c'est un excellent artiste et c'est vraiment un type chouette aussi d'abord. Donc vraiment c'est un honneur d'être ici. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à tout seigneur, tout honneur, monsieur André. Donnez-lui de l'amour, bande de bâtards. Je vous ai dit que vous allez mourir. Je vous avais prévenu que vous allez mourir. Eh oui. Je vous en prie, à vous. Je suis ici parce que la culture reste et restera notre leitmotiv. Et que nous allons apprendre à aimer ce qu'un Camerounais a fait, qu'il soit de gauche, de droite, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Si c'est bon, c'est bon pour nous tous.
Voilà pourquoi j'ai accepté de prendre la guitare pour que nous puissions passer quelques moments ensemble. Comment vous pensez-vous? Parce que quand Torpedo il m'a dit, bon, on va au Zénith. Oui, je lui ai demandé, frère, écoute, si tu fumes la moquette, tu me dis, frère, le Zénith, c'est pas quand même... Mais le Zénith, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus grand. Mais la leçon que j'ai retenue derrière, c'est pensez vos grands. Ah, ça, c'est pas moi. Nous avons décidé d'aller partout. Nous allons faire une tournée mondiale prévue pour 2022. Et nous irons partout où les gens voudront de nous. On ne va pas attendre que tel groupement de Camerounais dans tel pays, dans telle ville. Non, on a déjà décidé de là où on va aller. Il est bon. Et il faut que nous dirigeons plus de 27 millions de gens dirigés par une formule. Des ingénieurs, des professeurs, docteurs ont perdu le bon sens et joué les chanteurs. Pour finir, je voulais, parce que là je suis chez Beamster, c'est important, ça c'est vraiment un message direct pour Beamster. C'est pour tous les mecs qui font du hip-hop au Cameroun. Tout ce que je voulais vous dire, c'est tout est permis. Tout est permis, tout est possible. Si à 46 ans, avec les problèmes de respiration, de gouttes et tout ça, on a pu arriver, imaginez-vous, tout le talent que vous avez. Parce que si je suis moitié de rappeur, au Cameroun, on a des baobas. Il est mort, 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 il est m
cherche son grand. Et le peuple cherche son grand. Entrez dans la paix, les enfants. Il est mort, Emmanuelo. Entrez au calme, les enfants. Emmanuelo. Dans l'amour et la paix. Mon soldat. Dans l'amour et la fraternité. L'équipe chauffe. Dans l'amour et tout. La main sur le cœur. Emmanuelo. Que Dieu vous garde, les enfants. Bah ouais. We did it. We did it. On l'a fait. On l'a fait, c'est tout ce qu'on peut dire. On peut faire pire encore et on peut faire mieux aussi. C'est à nous de choisir. Là, on a préféré faire mieux, les gars. Peace. Vladimir, mon pépé. J'en veux mon poule. Putain. Bravo, mon gars. Merci. Merci, t'es arrivé à l'heure. T'as pas raté ton vol. Rien, rien, rien. C'était grand. Merci. Bon, tu veux continuer, non? Ah bah, tu veux continuer, frère. C'était l'apéro, en fait. The show must go on, bro. Merci, mon pépé. Il a dit tout à l'heure, Valtero, il n'aurait peut-être pas pu payer une telle communication. Mais vous savez, quand on parle d'un arbre, on le dit en anglais, quand il ne guérit pas, il tue. Donc si on en parle, d'autres vont vouloir savoir pourquoi on en parle, qu'on en parle en bien ou en mal. À vouloir savoir ce qui se passe, on vient. Et le résultat était au Zénith. Tout le monde était là. Donc vraiment, merci à tous les médias du Cameroun. Tous les médias, vraiment, tous autant qu'ils sont, ceux qui ont fait des reportages, des posts, ceux qui ont écrit dans leurs journaux, tous les petits blogueurs, les web designers qui ont créé des affiches. Ils ont vraiment été nombreux, même des petits-enfants qui ont fait des poèmes, qui les ont envoyés, vraiment. Chacun a contribué à sa façon et en faisant juste un petit post, vous ne savez pas quelle en est la portée. Donc vraiment que chaque média se sente remercié au nom de toute l'équipe de Valsero et toute l'équipe Torpedo pour avoir contribué à la réussite de ce spectacle du 18 septembre 2021. Ça c'est ma photo de pour faire, voilà. J'étais bien amusé. Deux secondes, juste un petit mot à la fin de ce spectacle canadien. Alors quel est le sentiment qui vous anime au terme de ce fabuleux spectacle? Ah, je sais pas, je suis content, frère. Je suis content, non mais je suis super content, mais c'est pas ça le plus important. C'est pourquoi on l'a fait. C'est pourquoi on l'a fait, c'est-à-dire on est en train de dresser un pont entre les Camerounais, on essaye d'aller vers une autre direction de rapport entre les personnes, entre les Camerounais et tout. C'est à nous d'arrêter le massacre. Et je crois que ce qu'on a fait aujourd'hui, bah c'est un bon pas. J'espère qu'on va continuer dans cette lancée-là, puisqu'on ne va pas continuer de se regarder comme des animaux pendant longtemps. Il a commencé à en avoir marre, quoi, tu vois. Donc, just love, guys. Merci à Canal 2, vous avez fait un job magnifique, j'ai vu, c'était super. Merci. Ciao. C'était pas 3 ou 2 heures, c'était 1h30, chérie, je te jure. Mais c'est pas plus, c'était 1h30. Jimmy ! Mais moi, j'ai pas le code. Aimer les gens, c'est dur parce qu'on est une éponge. Tu vois, c'est ça, c'est quand tu as une âme très perméable et que tu arrives à absorber l'émotion des gens et l'énergie des gens, parfois, ça fait un bug à l'intérieur de toi. Et là, il y en avait too much. Puis ça a débordé, ça a craqué. Je veux un toit pour ma famille, un job pour mes petits. Mes petits qui meurent à nos côtés, la commune veut me tuer. Les villes perdent le monde de bord, il faut tout répéter. Là, derrière, vous nous avez rassuré que nous on pouvait prendre des risques et vous vous êtes derrière. J'ai fermé mes yeux et j'ai vu Ténor au Zénith. J'ai fermé mes yeux et j'ai vu Minx au Zénith. J'ai fermé mes yeux et j'ai vu Salatiel au Zénith.
Je suis la jeunesse que tu sais et que tu es. J'ai fermé mes yeux, je les ai vus, Stanley, Kaussi, tout ça. L'amour, ma condition humaine, ou présidie-moi. J'ai rien à perdre. Regarde-moi. Je suis la jeunesse que tu sais et que tu es. L'amour, le droit, mon président. N'ayez pas peur de rêver. N'ayez pas peur de rêver. J'ai rien à perdre. Et je crois que je suis pas le seul qui s'est retrouvé submergé par ce flot d'émotions qui nous a fait pisser parfois des yeux sans qu'on s'en rende compte. Mais je crois que c'était ça. C'était la magie de cette soirée-là. Le Cameroun d'abord.